La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre officiellement la Nuit du Destin du lundi 17 avril au mardi 18 avril 2023. La Nuit du Destin ou Laylatul Qadr ou encore la Nuit de la Grande Valeur est la plus sainte nuit de l'année selon le Coran. Elle fait référence à cette nuit bénie au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète. Le mérite, c'est le Coran qui le dit. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Donc la nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc quand on dit nuit est meilleure, je pense qu'on doit se donner à fond, aller à sa recherche pour que nous puissions bénéficier de tout ce qui est comme avantage pendant cette nuit-là, Inch'Allah. La nuit du destin invite chaque musulman à l'introspection. C'est l'occasion de se consacrer à la prière, au repentir, à la lecture du Coran et à la charité. Ils sont en effet invités à s'acquitter de la zakat el-fitr, qui est une aumône obligatoire pour tout musulman qui doit s'en acquitter pour lui ainsi que pour toutes les personnes à sa charge avant la fin du mois de Ramadan, selon ses revenus. Il faut aller adorer Allah, il faut ressortir avec cette adoration-là, il faut perpétuer aussi durant toute ta vie. C'est ce qui est vraiment conseillé et c'est ce qui est, comment on appelle ça, le message qu'on peut donner. Il ne faut pas finir seulement... Profiter de ces dernières nuits-là et puis après le mois de Ramadan, tu relâches tout. Il faut quand même rester constant. L'engagement que vous avez pris pendant ces dernières nuits-là, vous continuez avec cet engagement-là et perpétuez de cela jusqu'à la fin de votre vie, Inch'Allah. À Abidjan, la célébration officielle de cette nuit se fera à la grande mosquée de la Riviera Golf. Cette célébration sera une opportunité pour les guides musulmans de transformer cette nuit de haute portée spirituelle en un moment d'interpellation et de prière. Notons que la journée du mardi 18 avril est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire.